Je m'appelle Jade, j'ai 20 ans, je suis en troisième année de médecine et j'ai décidé de partir à Kaunas en Lituanie au semestre dernier. C'était les 5 meilleurs mois de toute ma vie, donc je dirais... incroyable. En fait, je l'ai pris un peu comme un défi, me prouver à moi-même que j'étais capable d'être autonome et indépendante loin de mes proches et de ma famille. Et puis, j'étais surtout curieuse de voir ce que pouvaient être les études de médecine ailleurs qu'en France. Alors, j'étais très stressée parce que c'était la première fois que je partais toute seule à l'étranger ou même plus loin que Lyon. Mais ça s'est bien passé, on était quatre, donc on a pu avancer ensemble et se serrer les coudes. Donc voilà, l'anglais était un peu compliqué au début, mais on s'y fait, et puis de toute façon, on n'a pas le choix, donc voilà. Au tout début de notre Erasmus, du coup, avec mes amis de là-bas, on est partis sur la côte, et c'était magique parce qu'on était au milieu de rien. Et c'est là que je me suis posée, je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être ici et de voir tous ces paysages, et de m'imprégner de cette culture qui est très particulière et très différente de la France. Une grande ouverture d'esprit et des amis aux quatre coins du monde. D'ailleurs, je fais un mariage en Israël dans quelques semaines. Les études là-bas sont plus de manière ludique. C'est moins du par cœur bête. Et... Bah, en fait, il y a beaucoup de dialogue avec les professeurs. Les professeurs sont beaucoup plus proches de nous, ce qui fait que les questions découlent plus vite, on comprend mieux. Les cours sont en plus petits groupes, alors qu'ici, on est 300 en amphi. L'Erasmus, ou les mobilités internationales en règle générale, c'est quand même un point incroyable à vivre dans sa vie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire dans ses études au moins une fois. Ah bah oui, maintenant, une fois qu'on est parti, c'est compliqué de rester ici assis sur une chaise, je dirais.